Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Je vous propose la réalisation du toffee au lait caillé. Vous avez été nombreux à nous le demander. Voici les ingrédients. Du lait concentré sucré, de l'huile d'arachide et du plaiplai pour l'aromatiser. Prévoir un peu d'huile d'arachide pour le façonnage. Alors, dans une marmite du feu très doux, je renverse l'huile, le lait concentré sucré, et le plaiplai, encore appelé sukuni chez nous. Vous pouvez le remplacer par un autre arôme de votre choix, vanille, noix de muscade ou même un peu de liqueur, du rhum par exemple. Je remue constamment le mélange. Beaucoup pensent que ce toffee est réalisé avec du lait périmé, mais normalement non. C'est en réalité du toffee au lait raté. Avant, il ne se vendait même pas, mais de nos jours, il est beaucoup plus demandé que le vrai toffee au lait. Je n'arrête pas de remuer le mélange. Dès qu'il commence à s'épaissir et à peine coloré, je coupe le feu. J'huile convenablement mon plan de travail et un couteau. Je renverse la préparation sur mon plan de travail. Je la laisse tiédir sans la couvrir. Je la découpe ensuite à ma convenance. Ensuite, je laisse les toffees complètement refroidir. Une fois refroidis, ils restent très malléables, contrairement aux toffees au lait réussi. Je les place alors dans une bouteille, bien refermée, puis laissée jusqu'au lendemain. Heures plus tard, mes toffees au lait sont bien caillés et prêts à être dégustés. Bonne dégustation! C'est tout pour cette vidéo. Merci pour vos likes, partages, commentaires et suggestions. Toujours un plaisir de vous lire. À bientôt!